Yo, notre frago, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Bombad Media Now là, depuis Bombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Jodi nous allons faire coup de pied dans le site à grand dans ce pays pour nous montrer le travail qu'a réalisé dans la vie nationale là. Mais avant de nous faire ça, l'équipe Bombad Media Now là, je voulais remercier tout le monde qui toujours branché Bombad Media Now pour information pays. Et un gros remerciement avec ça. Ou toujours quitte un commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici dans Bombad de Police, équipe Bombad Media Now là, nous apprécier ça. Et si c'est première fois visiter nous information nous partager intéressé, pas oublier abonner avec Bombad Media Now et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Bombad Media Now là. Et bien nous pas perdre temps, n'a déroulé avec information. Yo, on nous ouais. Ministère de public transport communication, ingénieur Joseph Snyder avec équipe lui fait une visite dans département Sud pays dans l'idée pour aller travailler infrastructure routière qu'a réalisé dans département Sud pays. Nous voulons faire connaître tout, yo t'es passé dans le département Grandens pendant ce maintenant pour être capable ouais travail qu'a fait dans aéroport Jérémien avec plusieurs autres travail infrastructure routier qu'a réalisé dans région ça. Ces informations ça nous porter pour nous pas perdre temps, n'a commencé courrier à visite ça commencé dans l'usine Estrella avec l'usine asphalte dans Campirin. Ministre BTC a regardé comment l'usine a fonctionné et puis profiter parler à technicien CNEO. C'est même usine ça qui a préparé matériel pour mettre asphalte dans Grandens et dans le sud. Nos synergies qui développent entre la présidence, travaux publics, finances, où l'État fait un paquet de gros travail. Et je dis, si nous voulons faire développement, il faut synergie ça pour nous développer. Il faut financer le travail qu'a fait là pour lui. Pour la présidence, dont le président a condamné à la République, pour le ministère des Travaux publics, condamné à la République, c'est pour lui. Et même le ministère des Travaux publics, on dit tout embranchement ministère des Travaux publics. On dit direction départementale, cabinet ministre, ministre, avec tout l'autre secteur. Et là, nous développons synergie ça, là-bas, nous avons redement. Et c'est synergie ça qui baille, dans moins de 4 mois, ils ont réalisé plus de 6 km de route pour aller dans l'aéroport là. Y compris on va aller qui équivalent tout à 4 km en dedans qui forme aérodrome non. Ministre Nader Jasséis a visité le travail qui est réalisé dans Simon dans le cadre de caravane changement dans Richéry dans Vilokay. Il y a une préparation qui a fait pour couler béton. La préparation qui a fait pour béton, c'est un film qui souligne le programme FERLA. FERLA, c'est le fonds d'entretien routier. C'est le programme FERLA, tout travail ça a fait. Nous avons 11 films qui travaillent sur le programme FERLA. N'a visité toi avec le ministre là, toi qui te baille plus problème. Travail qui rage dans la ville est important en pile d'après responsable. Ministre responsable TPTC Sud, passé visiter plusieurs avines qui méritent qui. Et puis, travail qui déjà fait dans la ville. Tout de suite après, ingénieur Jasséis a regardé construction plusieurs dallons dans la commune Cavaillon. C'est FIM et COPS qui a exécuté le projet ça. Parmi nous, 10 dollars et que Banque mondiale financée pour travaux publics et nous avons route pour aller bonne fin hein. Et c'est ingénieur qui résident qui l'a peut-être nous parle pas avec lui pour dire qu'il a commencé et qu'il a travaillé sur la fini. Son chantier qui est censé démarrer presque mi-mars à la fin février en mars. Ça veut dire qu'il y a des travaux comme si nous ne pouvons pas espérer, si on t'a privé là tout. Par exemple, nous avons un qui s'est péré, maçonné une quantité de mètres carrés. Et ça fait nous pas regarder dans un salon là. Là, nous ne pouvons pas prévoir comme si nous ne pouvons pas aller de route. Mais plus que nous avons la quantité péré maçonné au moment de nous faire, les vignes paraissent trop, nous avons une vignes à faire ça avec une dégâts de compensation. C'est-à-dire, nous avons une convertir péré maçonné en béton hydraulique. Visé canal à balle au cap fait dans la zone de Dakin. Il y a une façon pour bailler de l'eau à côté pour le passer. C'est même travail ça au cap réalisé dans la colline Dakin. Tout de suite après, délégation Tirani dans le département NIP, précisément dans rivière Sepan qui trouvait dans l'asile. Il part sur de là presque à 90 degrés. C'est ça qui fait le tabac dans tout problème ça. C'est évident qu'on a mis choc ça pour des viols avant de reprendre l'île. À 45 degrés là, il peut y avoir le même problème sans l'autre bord là. C'est-à-dire que les gens ne sont pas protégés, ils risquent dans 5-10 ans de perdre tout ça. Voilà pourquoi je conseille le directeur Wilson préparer un dossier pour au moins de 50 mètres et gabion pour le cas suivant là,
et puis pour le faire lui, là il prend choc là, il a rebondi ici, il a pris l'autre choc et puis il a pris le petit fil. Dans 4 dits de ça, il faut le curer et rivière là. Et pour le mettre en belge là, traiter belge là, pour l'élever une journée pour nos carrières, pour mon lieu, non seulement nous protéger route là, mais faire protéger terre mon lieu tout, c'est l'État qui n'a pas qu'à corriger une pour aller créer notre problème de l'autre côté. Et on y va qui tout le problème parce que puis devant là, il va côté qu'il faut qu'on vive avec l'hiver Maro. Généralement là que le vignes là est toujours coupé route là. Mais maintenant c'est un dossier que heureusement que nous avons un financement, que nous faisons un garde-village là pour nous sécuriser route là, que nous garder les. Mais comme nous attendons, nous parlons avec le ministre là, ben, nous conseille ça que nous faisons là, il faut que nous fassions de l'autre côté de la rive. Et que bon, comme instruction que nous avons, nous allons monter le dossier pour effectivement réaliser le travail ça sur l'autre côté de la rive là. Sorti Sanari pour Albout en Savo, il y a un travail de terrassement et d'élargissement qui commençait sur route ça. Travail était campé. Responsable a annoncé qu'il n'y a pas de gain pour reprendre le travail. De là jusqu'à en Savo, toute route là, en moyenne, il y a 12 mètres sous l'eau. Côté qui gagne courbeau, après qui sur la jeune, il y a 14 mètres, des choses comme ça. Et c'est une route extrêmement difficile. Nous allons passer une zone de Roche-Biel. C'était pratiquement impossible pour nous faire, mais nous réaliser les nous gagnons une zone maricile. Toute zone, c'est une zone qui est extrêmement difficile. Responsable demande nous dans le sud, côté travail, pour qu'on commence, pour prendre patience. Pardon, je précise, il y a un effort qui a été fait pour porter service dans divers coins dans le pays. Ça fait dans le département de l'Andance, dans l'idée pour constater le travail qui est déjà fait dans la région ça, et puis où est ça qui campe, avec possibilité pour y démarrer, et puis garder le travail qui a été fait pour qu'il y a. Nous avons l'aéroport Jérémie, côté technicien, TPTC et CNI, déjà fini à Casfat, sous piste atterrissage là. Le ministre Nader Joassiris constate qu'il faut travailler fini dans l'aéroport. Il était seulement travail maçonnique qui pouvait faire des arrivées pour l'atterrissage. L'ingénieur Nader Joassiris était un architecte qui va faire plan étude pour transformer l'aéroport en aéroport international. Jean-président Jovenel Moïse m'a dit ça. Le monde de son communication et la dynamique, ça, le président qui peut construire l'aéroport dans le monde. Et nous avons fait un aéroport international. C'est-à-dire, nous sommes pas obligés de passer par des bons pour venir ici. Et c'est dans le cadre de samedi là, nous venons avec un architecte de Rodobo qui a fait un plan rapide pour nous réaménager l'aéroport. Côté, nous vivons, pas pour nous côté à nous qui va aller. C'est-à-dire, l'aéroport n'a pas pour nous côté à départ. Au niveau des aérodromes, c'est bien, mais au niveau des aérogares, ce n'est pas l'OACI, l'ensemble des règles de l'OACI qui n'est pas respecté. C'est-à-dire, arriver par deux mêmes côtés à départ. Le monde qui a venu n'a pas besoin de monde qui peut aller. C'est dans le cadre de ça, nous avons un architecte qui est dans le cabinet, qui est consultant, et qui va le soumettre un plan rapidement pour nous commencer. Et bientôt, et même Jérémy pour obliger à le Port-au-Prince encore pour rentrer et dans le pays étranger, aussi bien les Abralés, les Abdini. 6,5 km asphalte déjà metté sur Gagamoura, passé devant l'aéroport pour Albout, Bonbon, à Kabouko. Le ministre TPTCA garde le travail pendant le préciser. Travail sur route Gagamoura, Bonbon, Abriko, Pape Campé. Le ministre est un homme de terre bien. Nous comptons d'avoir fait un petit travail ici. Bon, le ministre a venu pour nous garder et bagailler pour prêter correction et puis chercher financement pour nous avancer plus. Le ministre TPTCA, Nader Joassiris, a profité du passage de la grande danse pour garder à responsable TPTC grande danse là. Il y a ensemble travail qui est réalisé dans la vie Jérémy dans le cadre de caravane changement. Jérémy nous fait un pile route et un bébé et un béton hydraulique. Donc notamment notamment une zone qui était délaissée, à lui-même c'était Karakoli, nous réhabiliter complètement. Toute rue Karakoli faite, notamment Monkaous et Saint-Ril, et toute rue net réhabilité. Et nous faisons, nous revêtions en asphalte, puis fonds et gagnons fait en béton hydraulique tout. Mais maintenant, nous finissons quitter Karakoli. Bon cas sénateur Sorel, là, ni devant la caille, le ministre est étonné pour nous, ni devant la caille, ni derrière la caille, ni sous côté la caille, ni tout côté fête.
Vous comprenez? Un sénateur dans l'opposition. Ça veut dire que le gouvernement travaille pour tout le monde. Il ne travaille pas pour les gens qui partisans seulement, non? Il travaille pour tout le monde. Ok? Donc, environ nous fait 7,5 km et route en bébé dans la ville Jérémy. Tout le monde cela, qui fait depuis ce président estimé et puis cap dégradé, responsable a annoncé la construction de l'autre pont sous rivière pendant à conserver ça qu'il a déjà. Grâce à financement, Banque Interaméricaine de Développement. Le ministère de Travaux Publics, les voulait projeter dans l'autre pont. Et puis, la conserver pour ça. Parce que pour ça, son monument lié. Et pour grand dans cela, je vais tout profiter de dire, les gens qui ont percé pour tablier pour suspendre. Parce que si le ministère a cherché pour mettre un autre pont, pour projeter un autre pont pour nous, si nous vient grand dans cela, et puis nous avons crasé ça là qui sont monuments, je ne sais pas quoi c'est pas. Deux ponts comme ça qui sont qui dans le Caraïbe là. C'est BID qui a probablement qui a financé pont et pont estimé à tout. Donc, oui, pont sur rivière Gandastan. Donc actuellement, nous pouvons démarrer la phase d'étude là. Probablement la durée 6 mois à peu près. Et automatiquement quand on a une étude là, on est capable de lancer l'exécution pour ça. Pour route Kaj Jérémie, travail après commencer dans le jour qui vient. Route Kaj Jérémie mesure 91 km. En total. En total. Sorti Carrefour et 4 chemins pour VG et au bac. Nous étions à peu près 17 km pour asphalter. Mais nous avons dit que tout terrassement fini. Nous étions deux ouvriers de ménage seulement qui étaient. Donc avec des murs de soutènement, avec peinture, des signalisations. Donc et ça fait que route la campée qu'on a là, c'est parce que l'entreprise qui était pour faire là, c'est Estrella. Et le fait que coronavirus, avant qu'il y ait un problème lock, nous connaissons, hein, depuis nous avons dit septembre, et puis après ça, il y a un coronavirus. Mais si tout le bagage est débloqué, en principe, dans 7 mois qu'il y a venu là, nous avons inauguré, mais nous sommes pas inauguré route là. Pour notre zone de grandance, tant que route Kafoubak, Mafran, Damari, pour route les Ziwa. Travail ou pas loin pour démarrer d'après responsable travaux publics. Je dis à nous sentir nous honorés, nous contents du fait que nous avons déplacé ma chère, nous avons mettre nos côté. Plus ou moins éloigné de centre-ville là, donc c'est là, dans l'espace côté nous est là, c'est là nous allons placer ma chère. Ma chère, c'est un espace de 400 mètres linéaires, donc c'est comme nous est là déjà, il y a des gens qui ont fait jardin sur l'espace là, mais DGI fait apportage pour nous, et DGI ba nous, et tout document valable, important pour nous travailler, pour nous faire ma chère, pour la population de Sierra. 99% espace dans l'agressé, c'est pour l'État. Bon, espace ça, normalement, il y a qui fait jardin sous lui, mais c'est lui-même, DGI Banou, et la Pantel pour nous, et ministère planification Banou 5 millions de gouttes pour nous faire clôture, ma chère. C'est pas que ma chère qui a fait, c'est clôture là qui a fait pour le moment. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec la chaîne. Non? Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagons une vidéo pour être capable de jouer nous. Son babé zap chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.